Ah, c'est superbe. Trop. Quel jeu de service de Pete Sampras. Ok, rien ne bouge. Oh là, quel retour! Oh là là! Et quand il passe sa première. Oh, celui-là, il est bon. Il est même parfait. Team courir au service. Mal touché, c'est amorti. Oh, quel service. Deuxième jeu blanc sur trois jeux de service. Trois jeux par... Et encore une fois, Pete Sampras qui s'en sort. Mais qu'est-ce que ça joue vite? À part une petite alerte sur son deuxième. Ouais, il retrouve sa première balle. Ah oui, c'est mieux, beaucoup mieux. Sur la ligne. Elle est dedans. Ferait son affaire. Bien profond. Oh, elle est belle. Elle a balayé la ligne. Sur laquelle Jim Courir a détalé. Il faut tout le talent de son passe au filet. Ah, le service là aussi, c'est formidable. Un ace pour Jim Courir. Eh bien, on va voir un jeu. Oh là là, elle est passée. Quelle chance. Il a encore eu. 3-1. Ah, on joue pour le titre. Michel. Un ace. Ah, il y a Jim Courir qui frappe et Pete Sampras qui remet. Pour l'instant, elle est belle. 5-2. Ouais.
Oh là là, il est là. Parfait, Jim Courier. Magnifique. Il mérite ce set, Michel. 58 minutes dans cette première manche. Super. Sampras serving 40 love. Jeff Sampras. By the same token, Jim Courier's second serve is very underrated. Be an easy put away here for Jim. He's got that big first serve, but he's also got a heavy second serve that kicks. Another ace out of control. He's showing he's got a weapon in his own too on the serve. Just Courier back to back Courier. Back live in Paris, Bill McAtee and John McEnroe. Second set on serve. Jim Courier winning the first set tiebreak. This match an hour and 18 minutes old. Ultra counts. Krychek, the big server from Holland. He will play the winner of this match. That return dropped in. In the ace department, Sampras unable to do much off the Courier serve so far. Make that 10 off. Well, there it is, finally. Set and a half into the match. Too far. Well, we've seen that from Andre Agassi, not too often from Jim Courier. 240 love up in the second, ready to take real charge of this match. Well, that'll help get you back. Courier with a point for 5-4. Another Courier ace. Pete Sampras serving to try to even the second set at 5-all. He's not going to make any mistakes. He can win more big points. Fist bump him. Does he more Korea? He's got a way to lose the second set after coming back from 40 love and 4-2. That's got to be a tough mental hurdle. Down to zero. Que c'est beau. Qu'il peut tourner autour de son revers pour accélérer côté coup droit. C'est là qu'il y a une petite faiblesse dans le jeu de Pete Sampras. Ouf. 30-0. Ah mais il est injouable. Un séisme. Bien ça. Voilà. 40 accounts. Il est au service. 40-0. J'étais confirmé, 30-0. Ouf.
c'est parfait, il s'y attend. Classique dans ce match, et il le fait très bien, Pete Sampras. Et puis derrière, il y a cette... Ou s'il commence à lâcher son revers long de ligne. Oh là là, le festival côté revers. Il faut qu'il... Petite faute. Au début de ce match, Jim Courier. Là, il est sous pression. Oh, il est pas mal non plus au filet, Jim Courier. Oh, c'est parfait. C'est limpide. Sans problème. Pete Sampras n'est pas encore vaincu. Pour Sampras, pour trois petites défaites seulement. Mais la seule fois où ils se sont joués sur terre battue tous les deux. Il est de mieux en mieux côté. Non, ça a été doublé. Ah, ici à la porte d'Auteuil. À l'heure, en 5-7. Oh là là, c'est parfait. Ouais. Un ace pour mener 2-1. Mais courir aussi. Oh. Jeff Sampras. Quelle conclusion sur ce jeu. À Düsseldorf, il avait joué 2 matchs, il les avait perdus. En 10 de préparation, c'est un petit peu maigre. Oh, c'est parfait. Ne peut pas y aller, Pete Sampras. Oui, 0-30. Oh. 30-40. Oh, oh là 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 là, quelle seconde balle avec une nouvelle raquette.
balle de break. Kianza. Pronto, 40. C'est peut-être le tournant de ce match. Oh, c'est monstrueux ce qu'il fait, Pete Sampras, il n'y a pas d'autre. La balle n'a même pas le temps de rebondir. Boum ! Accélération long de ligne. Ça part dans tous les sens. Voilà, un dernier service dévastateur pour revenir. C'est fait. On va vers le juge de ligne. Ah, c'est parfait, il était mené 0-30. Il résiste. Il ne fait pas de bruit, mais il est très fort. Et ça fait 3 heures, plus de 3 heures que ça cogne. De partout. Oh là 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 là, c'est complètement fou! Aïe 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 aïe, il craque là, Jim Courier! Mais Pete Sampras ne fait plus de faute. 191 avec cette casquette, il ne la quitte plus. Oh, voilà. Juste Sampras. Sampras qui confirme. Mais où est-il fatigué? Mais c'est un joueur. Et c'est toujours parfait. C'est gigantesque. Jim Courier qui a commencé le point. Elle est bonne. Oh là là, il ne joue plus au tennis tous les deux, il crée en permanence. Il n'en a eu aucune dans la troisième manche. 15-0. Il n'y a pas un nuage dans le ciel, il pleut des aces. Et ça rend... Ouais, c'est très bien joué de la part de Jim Courier, mais de Toulouse.
de réserve pour son jeu de service qui va suivre. Ouais, ouais. Jim Courier est toujours. Oh là, il sert avec des balles neuves. Merci. Ah, bien sûr, il en profite. C'est fini. Oh, il n'a même plus la force de lever les bras, Pete Sampras. Jim Courier qui menait 2-7 à 0, 7-6, 6-4. Et Pete Sampras qui s'impose en 5 manches. Quel match, quel niveau incroyable. Victoire de Pete Sampras pour la première fois. Il est en demi-finale à Roland-Garros. Il bat Jim Courier, il prend sa revanche.